De bien fêter la journée mondiale de la liberté de presse, l'Union des professionnels des médias du Bénin a organisé dans l'après-midi de ce mercredi 2 mai 2018 au stade général Mathieu Kérékou un tournoi de football. Le premier match des demi-finales a opposé l'équipe de l'UPMB à celle des garagistes du Bénin. Rappelons que déjà à la 18e minute du jeu, la formation de l'Union des garagistes professionnel du Bénin s'impose, marquant un but. Le score reste ainsi jusqu'à la pause. Du retour des vestiaires, les garagistes aggravent la situation et marquent le second but de la rencontre. Score final, 2-0 en faveur de l'UPGB. Nous nous sommes préparés conséquemment avant de venir ici parce que nous sommes conscients que nous allons rencontrer les historiens du football, les théoriciens du football. Et étant donné que le football ne se joue pas sur un plateau de télévision, le football, c'est pas dans les micros qu'on joue le football, nous nous sommes aguerris comme cela se doit et aujourd'hui le résultat est là. Il est facile de commenter les matchs, mais sur l'aide de jeu, le garagiste sait qu'il va loin et c'est pour cela que nous sommes préparés pour défier l'équipe de l'UPMB comme vous êtes en train de voir. Oui, on a joué, on a perdu 2-0. Je crois que les partenaires n'ont pas respecté les consignes. Sinon, en deuxième mi-temps, on a été mené 1-0 en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on aurait pu quand même colmater les brèches en revenant au score. Malheureusement, il y a la fatigue qui a joué sur les uns et les autres. Et aussi, la condition physique n'était pas au rendez-vous. Donc, l'équipe adverse a profité pour utiliser les espaces qu'on a laissés pour marquer un second but. Quant à la seconde demi-finale de ce tournoi, le curon a tourné entre la formation du ministère de la Communication et l'équipe de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. 2-2 au coup de sifflet final du juge central de la rencontre. Ce n'est qu'à la fin de la phase des tirs au but que les joueurs du ministère remportent sur un score de 3-1. Comme tout match de football, vous savez, nous étions venus juste pour des moments de fête. Ça a été de la joie partagée avec l'équipe du ministère de l'économie et de la communication. Donc on ne peut qu'être content de l'initiative prise par l'UPMB. On est invité en tant que maison mère de la presse. On a voulu assister nos frères. Ce qui est normal, la victoire, ça l'a confirmé. C'est la maison mère. On a montré de quoi on est capable. Je pense que le reste viendra avec le temps. Déjà, on est en finale et puis je pense que le trophée viendra au ministère. Rendez-vous pour la finale entre les garagistes et le ministère de la Communication le vendredi prochain, toujours au stade général Mathieu Kérékou.